De reine. Ta reine droite un petit peu là, tu vois, tu lui amènes trop le bout du nez à l'intérieur. Il n'est pas droit devant toi. Et tu penses à l'équilibre latéral de ton cheval, qui ne se penche pas à droite ni à gauche. S'il se penche à droite, tu fermes ta jambe droite. S'il vient trop à l'intérieur, tu fermes un peu ta jambe intérieure. Et reine droite. Bon. Ouais, d'accord. Et léger là-dessus, tu vois, tu accompagnes. Mais léger, c'est pas tout lâcher non plus, hein. Reine droite, tu bascules la nuque, là. Ta reine droite n'est pas assez tendue. Et jambe droite. Reine droite, reine droite, reine droite. Tends ta reine droite. Ta reine droite extérieure. Ramène ta main vers toi pour la tendre. Sans trop fermer tes doigts. Voilà. Bon. Oui, il est moins penché en avant, déjà, hein. Ta reine extérieure. Logiquement, ta reine extérieure doit être plus ferme que ta reine intérieure. Ta reine droite, ta reine droite. Tends ta reine droite, tu vois. Ramène ta main droite vers toi pour la tendre, hein. Bon. Et tu maintiens à gauche, bien sûr, pour pas qu'il ait le bout du nez trop à l'extérieur. Et là, si tu veux faire ta pirouette, tu appuies sur la pirouette. Tu fermes ta jambe extérieure. Les hanches en dedans. Appuie, appuie. Ouais, ça. Et arrondis-le sur ta reine extérieure, hein. Il faut qu'il regarde légèrement là où il va, mais c'est tout. Bien. C'est pas mal, ça. D'accord, ok. Alors là, ce que tu pouvais faire, si tu veux, à la sortie de ta pirouette, tu as une possibilité de partir dans ton appuyé vers la gauche, tu vois, hein. Et pense bien à garder sur tes deux reines. Tu vois qu'ils sont comme ça. S'il est comme ça, c'est que ta reine extérieure n'est pas si tendue, hein. Et l'arrondir sur la reine extérieure, c'est pas pour lui mettre le bout du nez à l'extérieur. C'est pour l'empêcher de basculer la nuque. Ouais. Reine droite. Tends ta reine droite. Tends ta reine droite. Tends ta reine droite. Et si tu veux appuyer, tu fermes ta jambe extérieure. Mais ne monte pas trop sur ta reine intérieure, tu vois. Là, c'est pas mal, ça, ce que tu fais. Reine droite de tendue. Tends tes reines un peu, hein. Alors, quand il se penche à droite comme ça, eh ben, tu fermes un peu ta jambe intérieure à la sangle, hein. Bon. Doucement au galop, doucement au galop. Voilà, petit galop cadencé. Ne monte pas trop dans tes épaules comme ça. Et maintiens l'incurvation quand même, hein. Il faut qu'il regarde là où il va légèrement. Voilà, mais tu gardes tes ailes extérieures. Ok, bon. Doucement. Lâche pas tout. L'engueule pas, l'engueule pas, l'engueule pas. Doucement. Ah ouais. Non, il faut que tu gardes un peu tes... Quand tu es au galop à droite, par exemple, eh ben toi, tu te penches un tout petit peu, tu tournes tes épaules du côté où tu galopes. Si je me redresse dans mes épaules, le cheval dit, hop, il va risquer de changer de pied, tu vois. Hein. Et pense bien, quand tu vas de côté, eh ben ta reine extérieure doit être plus ferme que ta reine intérieure. Alors que tu es un peu trop tendu sur ta reine intérieure, pas assez en l'arrondissant sur ta reine extérieure, tu vois. Tendue ta reine extérieure. Doucement, doucement. Garde bien tes ailes extérieures. Non. Non, tu vois, là, tu le laisses trop partir à l'extérieur parce que tu lâches trop ta reine extérieure. Et doucement. Voilà, garde ta reine droite de tendue. Voilà, ouais. Doucement, doucement. Oh, oh. Voilà, calme-le un peu. Bon, c'est pas mal ça, d'accord, ok. C'est bien ça. Et relâche-toi un tout petit peu avec. Relâche-toi un tout petit peu avec. Laisse passer. Bon. C'est pas si mal.
Moi, je le laisserais un peu là-dessus si j'étais toi. Tu vois, quand tu sens que ça va un peu mieux, quand tu sais, t'es un peu satisfait de ce que tu fais, n'essaye pas de le continuer à le bousculer là-dedans, parce qu'après, il en a marre, et puis il commence à s'exciter, tu vois. Hein? Mais pense bien, quand tu dois aller de côté, c'est toi qui dois aller de côté. Ma reine extérieure, je l'arrondis sur ma reine extérieure, je maintiens le bout du nez, mais je ne suis pas pendu sur la reine intérieure. De reine extérieure, tu vois. Et tu n'as pas la présence d'esprit, si tu veux, quand tu sens ton falquier comme ça, ben, tu ne dois pas être sur ta reine intérieure, tu dois l'arrondir sur la reine extérieure. Et là, tu vas faire ça, tu maintiens avec ta main intérieure pour pas qu'il ait le bout du nez à l'extérieur. L'arrondir, c'est pas faire ça, c'est l'arrondir là, et tu maintiens à droite, d'accord, tu vois. Parce que tu gardes pas suffisamment sur tes ailes extérieures à ce moment-là, tu vois. Hein? T'as pigé? Et là, le cheval était bien mieux, là, hein. Ça n'avait rien à voir, tu vois. Et alors là, il ne doit pas être comme ça. Tu ne dois pas être abandonné, tes rênes. Eh ouais. Tu vois, tu dois avoir le contact de tes rênes et tu dois faire une action sans encolure. Mais faire une action sans encolure, ce n'est pas l'abandonner. Là, garde-le, freine la bouche un petit peu, voilà. Sans être dur avec, hein. Garde le pli un peu à droite quand il tourne, tu vois, il faut qu'il regarde là où il est. Tu fermes tes extérieurs, voilà. Garde le contact en accompagnant un peu le mouvement du balancier, tu vois. Mais accompagner, c'est pas tout lâcher. Tu dois garder le contact. Là, mets-toi sur la volte un petit peu, il y a le cheval qui l'emmerde. Tourne toujours. Ferme ta jambe extérieure quand tu tournes. Hein. Un peu incurvé à droite quand même. Et quand il se couche, là, ta jambe droite. Pas pour lui mettre un champ dedans, tu vois. Hein? Ouais. Ça, ta jambe extérieure pour pas qu'il dérape. Tu tournes toujours pour pas lui mettre les hanches dedans. Et tu reçois, s'il se couche sur son épaule intérieure, tu reçois sur ta jambe intérieure à la sangle. Mais évite de taper dedans, tu gardes tes jambes collées dedans. Voilà, ouais, d'accord. Ok. Et la reine droite, là, tu vois, il bascule la nuque, là. Voilà. Ton cheval doit être droit dans l'encolure. Ta reine extérieure détendue, ferme tes doigts à droite. Ouais, et monte-le, là. Va dans le mouvement en avant. Voilà, ouais. Évitez de serrer trop fort les demi-pirouettes au départ. Arrondis-le sur ta reine droite, basse, tendue. Voilà. Et tu maintiens le pli à gauche. D'accord, ok. Bon, ça, ouais. Et ta jambe intérieure, là. Ta jambe gauche. Voilà. Bien. Voilà, d'accord. Pas se précipiter. Tu restes derrière lui, tu l'attends un petit peu, voilà. Et tu accompagnes le mouvement du balancier dans tes bras, hein. Ouais, ça, d'accord. En avançant légèrement. Ouais. Bon. Tu penses à avancer. Ça, c'était mieux, tu vois. Et alors, tu te tiens quand tu fais ça, mais tu ne le freines pas. Tu l'empêches en te tenant dans ton dos. Hein, dans ta poitrine, tu l'empêches d'aller plus vite, d'accord. Mais tu ne le freines pas, hein. Reine droite déjà, il y a trop le bout du nez à gauche, là, tu vois, là, il n'est pas droit sur tes deux rênes. Reine droite. Voilà, ça, ouais. Reine droite, jambe droite. Ouais, ouais. Reine droite, fais attention à ta reine droite. Regarde, il n'est pas droit, ton cheval. Et alors, quand tu as besoin de l'arrondir, pas vers le bas. Hein. Tu pousses dessus et tu gardes ce que tu as. S'il lève la tête, c'est qu'il ne se propulse plus, ton cheval. Alors que vous avez tendance à l'empêcher de passer au-dessus de la main. Non, c'est pas ça qu'il faut. Hein. Voilà, devant toi. Devant toi. Le serre pas trop, léger. Bon, ça, je préfère voir ça. Là, d'accord, devant toi. Hé, hey, te balance pas à droite, à gauche. Bon, un peu en avançant. Ferme tes jambes. Avance un petit peu. Centimètre par centimètre. Oblige-le d'avancer. Oblige-le à avancer. Laisse passer devant. Ouais. Léger devant. Bien. Alors, peu et souvent. Tu en demandes de trop, là. Trop longtemps.
Bon, ça c'est bien au trou, d'accord. Pense bien à garder le contact sur tes deux rênes, hein. Bien. C'est autre chose là, non? Un peu au pas, tu le laisses là-dessus. C'est bien. T'as pigé ce qu'il faut faire? Allô? Ouais? Et toi? Non, non. Je rentre le 23 ou 24, je crois. Ouais. Non. Attends, voilà.